Bonjour à tous et bienvenue dans le News Gamer numéro 38. Une News Gamer toute simple, toute bête, une News Gamer à l'ancienne avec très peu de news finalement cette semaine. Oui, en effet, très peu de news, enfin très peu de news à retenir surtout. Donc on vous les a retenus bien évidemment dans cette News Gamer. Et il faut quand même préciser qu'il fait très chaud ici dans le studio. Et il fait très chaud chez vous, c'est la dernière News Gamer du mois de mai, la première où il fait vraiment beau sur toute la France. On espère que vous en profitez et on espère que vous avez profité de cette News Gamer dont le sommaire arrive. Cette semaine, on vous parlera de Diablo 3, de Metro Last Light et du film The Raid. Cette semaine dans A Pas Retenir, nous vous parlerons de Minecraft Xbox 360, de Medal of Honor Warfighter, mais aussi du groupe de musique Gossip. On passera au grip Dirt Showdown, le retour des jeux de rallye pour notre plus grand plaisir. Et on passera aussi au grip le film Prometheus, un nouveau alien. On se quittera enfin avec une vidéo d'agent secret. Donc on l'a dit tout à l'heure en introduction, très peu de news, mais on vous en a retenu 5 quand même, comme d'habitude, un petit peu la norme minimale chez nous, Total Gamer, et dont une notamment un court-métrage, mais alors vraiment très court, pour Metro Last Light. Alors Metro Last Light, c'est tout simplement la suite de Metro 2044, si je me trompe pas. Alors là, THQ a sorti tout simplement un court-métrage pour le jeu de 4 minutes, un peu plus de 4 minutes, et c'est vraiment super bien fait. Alors on a eu l'habitude de voir ça avec Bethesda, avec Skyrim qui avait fait ça. Oui. Là, c'est différent, c'est pas la même époque, évidemment, et c'est vraiment bien fait. Et puis, il y a aussi Diablo 3 qui fait d'excellents chiffres. On regarde ça tout de suite. En dépit de ses problèmes de serveur, Diablo 3 a trouvé sa communauté. En effet, le retour du roi du hack and slash s'est déjà vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, un chiffre ahurissant. Après 12 ans d'attente, les fans sont satisfaits et le font savoir avec son nombre de ventes. Bravo Blizzard. Comme promis, le court-métrage présentant Metro Last Light est enfin sorti. Il faut avouer que le tout est vraiment bien réalisé et donne vraiment envie de jouer au jeu. Je vous laisse regarder, le jeu sort début 2013. Square Enix communique un peu plus sur son Sleeping Dog avec cette semaine une vidéo commentée en français. Le trailer nous apprend que ce nouveau GTA-like se passera au cœur de Hong Kong dans l'univers des Triades, une organisation mafieuse asiatique. Ce fabuleux jeu sortira le 17 août prochain. Agissant dans l'ombre, elle contrôle quasiment tout. Vous incarnez Wei Shen, un flic infiltré. Sa mission, infiltrer la triade des Sononiers et la faire tomber. Un deuxième épisode dans la série des Lego Batman, nommé Lego Batman 2 DC Super Heroes, sortira très prochainement et c'est pour cela que Traveler's Tales, le studio en charge du développement du jeu, a sorti une nouvelle vidéo présentant le monde ouvert du jeu. C'est vraiment sympathique, tout comme le premier épisode. Oh, come on! The Raid, c'est le film bourrin dont on vous avait déjà parlé sur une escouade de choc devant nettoyer un immeuble infesté de mafieux asiatiques. Eh bien, le film est sorti en Angleterre et il faut croire que les sujets de Sa Majesté ont apprécié puisque le film a déjà récupéré 690 000 dollars en un seul week-end. Espérons qu'il fasse le même score à partir du 20 juin en France. Au travail, mes amis. Et faites-leur passer un moment agréable. «
Alors ça fait 2 semaines qu'on vous en parle, parce que ça fait 2 semaines qu'il est sorti et qu'il fait un véritable raz-de-marée. C'est Minecraft sur Xbox Live Arcade, mais cette semaine, il est dans la catégorie à ne pas retenir. Voilà, donc Minecraft version Xbox, tout simplement, bah, elle est sortie il y a 2 semaines, c'est déjà vendu à plus d'1 million d'exemplaires, voire 2 maintenant. Eh bien, il fait déjà polémique, puisque l'écran partagé, on peut jouer maintenant sur écran partagé jusqu'à 4 sur cette version, bien évidemment, mais pas sur écran SD ou cathodique, mais malheureusement, c'était marqué nulle part. Donc Microsoft, pour s'excuser, eh bien ils ont fait quelque chose pour la raison, bah vous allez voir ça tout de suite dans le sujet. Après l'envolée spectaculaire, la chute pour Minecraft. Alors que rien ne semblait pouvoir l'arrêter, le jeu de Mojang s'est trouvé confronté à un problème majeur. Le mode écran splitté ne marche pas sur les téléviseurs à tube cathodique. Des milliers de joueurs ont donc porté plainte car ce détail n'est mentionné nulle part. Microsoft a donc décidé de rembourser tous les acheteurs de Minecraft sur Xbox Live Arcade pour calmer les esprits. Espérons que le jeu au cube s'en remette. Cette semaine, EA a décidé de mettre en ligne un spot TV sorti tout droit des télévisions américaines concernant Medal of Honor Warfighter. Pourquoi ce n'est pas à retenir? Tout simplement parce que nous avons vraiment l'impression de voir Battlefield 3 et c'est vraiment dommage car EA risque de faire du simple copier-coller entre ces deux licences phares. Dommage. Le groupe américain Gossip avait annoncé son intention de faire de la musique électronique, et bien ils l'ont finalement fait. Le clip de Move in the Right Direction en est la preuve, mais malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit génial, loin de là. Après, chacun se fera son opinion, mais pour nous, c'est raté. Alors on l'a dit, très peu d'informations cette semaine, très peu d'informations en cette fin du mois de mai. Et donc, pour passer au crible, on vous passe au crible Prometheus qui est de la Fox. Et oui, attention, on fait une petite entorse à notre règlement, mais on n'a pas le choix parce qu'il n'y a rien d'autre. Et on vous passe au crible Dirt Showdown, jeu qui est sorti la semaine passée. Pareil, on n'a pas le choix. Voilà, donc Dirt Showdown, c'est tout simplement un nouvel épisode dans la série des Dirt fait par Codemaster. Ça envoie vraiment... Ça envoie du lourd. Voilà, on voit du lourd. Et Prometheus, c'est tout simplement, comme a dit Alien, c'est un film de la Fox, donc si la vidéo est bloquée sur YouTube, elle sera bloquée sur YouTube et voilà. Et on s'en sera désolé, voilà. Encore une fois. Et donc, Prometheus, c'est tout simplement un nouveau film réalisé par le réalisateur du premier Alien, Ridley Scott. Et puis c'est tout simplement dingue, franchement, faut aller voir. De la Fox ou pas, de toute façon, ça reste un bon film. Mais voilà, on vous prévient, peut-être même que la séquence sera coupée pour YouTube. Si vous regardez sur YouTube, voilà, vous savez à quoi vous attendre, on regarde ça tout de suite. Au fil des années, Codemaster a su faire de sa série Dirt un incontournable du monde de rallye. Alors, ce Dirt Showdown, où est-ce qu'il se place? Tout d'abord, la première chose impressionnante dans le jeu est le moteur graphique. Dirt Showdown utilisera LEGO Engine, un moteur qui a fait ses preuves dans beaucoup de jeux tels que Dirt 3. Les couleurs sont chaudes, les décors détaillés et les reflets sur la voiture juste magnifiques. C'est très impressionnant et l'immersion est totale. Au niveau du gameplay, c'est du tout bon aussi. On garde la base arcade pour assurer un maximum de plaisir sans prise de tête. On conduit vite, on dérape dans tous les sens et on se prend pour Ken Block avec une facilité déconcertante. Mais gameplay arcade ne signifie pas gameplay vide, bien au contraire. On a ici une conduite qu'il faut travailler pour vraiment progresser. Il y en a donc pour les néophytes et pour les plus aguerris. Dirt Showdown possède aussi beaucoup de modes. Nous aurons bien évidemment la carrière qui permet de faire évoluer son pilote, mais aussi le mode multi, plutôt sympathique, des défis contre nos amis. Enfin bref, c'est pas moins de 11 modes qui seront présents pour nous permettre un amusement infini ou presque. Dirt Showdown est donc un très bon jeu, mais qui délaisse un petit peu le côté rallye à l'ancienne, ce qui lui vaut la note de 4 sur 5.
Check out your destruction events. Rampage. Send your opponents to hell and back in the City of Angels and wow the crowd. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette 38e newsgamer, une newsgamer assez courte, mais on l'a dit, il n'y a pas grand chose à faire, et puis après tout, ça fait pas de mal aussi de revenir à des petites newsgamers, comme ça, tranquille, entre nous. On passe la page publicitaire malgré tout, avec notamment notre sponsor SimpleGame.fr, qui fait un concours sur Facebook. Oui, alors SimpleGame.fr, donc si vous allez sur leur page Facebook, vous pouvez voir le lien sur la description de la vidéo. Et bien tout simplement, ils organisent un concours pour faire gagner les derniers hits. Bah, c'est gratuit, voilà, comme nous on a pu faire plusieurs fois, là c'est gratuit, vous avez juste à mettre un petit commentaire sur leur page Facebook et c'est fini. Et puis bah vous pouvez gagner un jeu quand même, c'est quand même vachement sympa, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur le site www.total-gamer.com où vous retrouverez toutes les informations que vous avez vues ainsi que plein d'autres. Puis vous retrouverez toute l'équipe du site. N'hésitez pas à cliquer sur le site, sur la petite page en haut, jeu à moins 70%. Vous lisez, tout est décrit, hein, je pense que voilà, vous savez lire maintenant, vous êtes des grands. Vous lisez, puis vous pouvez bénéficier de grosses remises, notamment chez SimpleGame.fr, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, vous pouvez retrouver cette vidéo sur Dailymotion, peut-être sur YouTube, on l'a expliqué tout à l'heure pourquoi. Et puis vous pouvez toujours aussi appuyer sur le petit bouton vert flat R si jamais vous voulez faire un micro-don. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Eh bien, on a fait le tour aussi de la News Gamer. Il nous reste quand même à ce qu'il fallait voir, et il fallait voir Skyfall. Voilà, donc Skyfall, c'est tout simplement le nouveau James Bond, donc avec Daniel Craig. Bah, ça envoie quand même pas mal. Le trailer donne vraiment envie de voir cette suite, parce que faut quand même préciser que bah, les deux derniers c'était bien, mais sans plus. Là, celui-là a l'air vraiment, vraiment mieux. Bah, c'était quand même pas trop mal non plus, franchement ça allait. Et puis bah, celui-là a l'air pas trop mal, et puis ma foi, on va se quitter avec ça, et on s'en contentera, parce que cette semaine, il n'y avait pas grand-chose à trouver. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, puis on se dit à la semaine prochaine. Salut. Pays, Angleterre. Arme, abattre. Agent, provocateur. Meurtre. Profession. Skyfall. Skyfall. Classé. Des tueurs aux trousses. Mais c'est nous qui allons les tuer.